يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ça a des statements là qui se tiennent lits de tout masjid dans le monde, tout jamaat excepté Shia, n'importe qui jamaat qui existait dans le monde, c'est un consensus parmi les musulmans qui et ça pour montrer qu'une fois qui ummat li oulé ini à la vérité, ce chemin existait. Capable de chercher unification ummat, papa connaît la façon et le procédure qui bisait pour unir la communauté. Mais il n'est pas possible qu'il y ait un dîne qui pénale le procédure ou bien pénale la possibilité d'unir. Non. Unir la communauté, c'est une souffrance qui n'est pas qui activiste ou qui musulman, qui est affilié avec sa communauté, plus qu'il se groupe, il sentit sa souffrance là. Tout le monde pénale sa souffrance là. C'est lui qui est affilié avec un jamaat, un pays, un alim, un maulana, il n'est pas pointé avec un parti politique, avec un pays, il n'est pas pointé sa souffrance de ça, ça l'effet de sa division qu'il a dans sa ummat là. Qui s'en a qui pointe sa souffrance, et c'est lui qui, sur affiliation avec ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse toutes les autres affiliations qui existaient. Et une fois qu'il y a un frère et une sœur, nous croit qu'il nous dit, il est là pour unir nous, alors ça veut dire dans nos dînes et dans une méthode et une procédure qui finit instituée par Allah subhanahu wa ta'ala, enseignée par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait unification ummat automatiquement, pas besoin d'un bana, pas besoin d'un leader de unificateur, pas besoin parce qu'il dit là c'est du quand Allah il adresse avec un musulman, il adresse avec nous comme un seul ummat. Ensuite il dit wala tafarraqu, pena aucun l'autre de Coran pour unifier. Alors nous avons un soc qui va de Hajjumala. Pena aucun ayat coranique, sunna, qui dit unifiez-vous. Pena ça. Par contre, il y a un Coran qui dit wala tafarraqu, ne vous divisez pas. Qui fait? Parce qu'Allah lui adresse avec Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme un seul Umma, comme un seul écho. Ensuite, il dit wala takunu kalladhina tafarraqu wa akhtalafu, ne soyez pas comme ceux qui finissent diviser, qui finissent faire division entre eux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhal ladhina amanu, c'est-à-dire qu'il peut adresser avec man qui a iman. Ça des statements qui nous commencent khutba dans tout masjid, dans tous les mondes, moi dire, dans tous les mondes, jamaat, excepté Shia, nous dire, mais il y a parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalla. Qui s'en a qui pouvait dire non, mais il y a parole, c'est pas parole Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté un djimoun qui est affilié avec un jamaat, il est affilié avec un pays, il est affilié avec un alim, il est affilié avec un parti politique, il peut essayer de banaliser sa petite chose là, pour amener son opinion ensuite. Pas ce brainwashing qu'il fait avec ce man du monde, ben il l'a accepté. Alors, mais il y a parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala.
Parmi sa man meilleure parole dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Mo pa croire qu'il y a un musulman qui vient dans Juma aujourd'hui, ban frère, ban sœur, ou bien ban qui peut écouter moi, qui se n'a pas oulé gain janna. Mais même petits enfants persister la plus petit qui est là 7 ans, 8 ans, est-ce qu'il oulé gain janna ou pas oulé gain janna? N'a pas possible qu'il y a un musulman qui n'a pas oulé gain janna. Mais c'est moi, il y a une procédure pour gain janna, il y a une méthode pour gain janna. Nous pas capables quand nous venons dans Juma, même du monde qui gagne sommeil, même du monde qui fatigué, même du monde qui se employé peut traumatiser, il récit leur lit pour venir Juma, mais c'est moi une tierce au jus pour les quand il vient il fatigué, lui aussi il vient pour gagner jannat. Mais comment gagner jannat? Aïla, mais il y a parole Allah. Man yut'a man yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Celui qui obéit à Allah et son rasoul, il fait une victoire énorme. C'est un exemple de bonne meilleure parole qui nous tout tombe d'accord. Pena personne qui est capable de dire non, au bout désobéir à Rasoul, c'est moi qui ai envie de gagner victoire, moi envie de rentrer dans Jannah. Pas capable. Allez, écoute, hadith là, c'est la meilleure guidance Rasulullah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, li dire kullu ummati yadkhuluna al-Jannah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit hadith de Sahih Bukhari, tout mon ummat pour rentrer dans Jannah. Illa man aba. Excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannah. Man sahaba dit, ya Rasulullah, faman ya'ba. Nous fait dire, nous fait prononcer que tout bon musulman qui peut écouter moi live ou bien donc, qui peut écouter Juma après, qui bon soeur présent, qui bon frère présent, qui petit, qui grand, nous tout peut rentrer dans le jannat. Alors Rasoul Sassem dit que l'ummat, il y a trop dans le jannat. Tout mon ummat pour rentrer dans le jannat. Illa man aba, excepté c'est lui qui refusait pour rentrer dans le jannat. Bon sahaba, je suis hébété avec ce statement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, faman ya'ba. C'est là qu'il peut réviser pour rentrer dans Jannat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Sa réponse là, si je prends ça pour la case à Zodji, lui suffit de sa Jumala. Mais il y a pour cause 20 ayats de Coran, 20 hadiths. Il n'est pas possible pour un djimoun de demi-temps, il apprend 20 ayats de Coran et 20 hadiths. Il est capable de réviser Khutbala ce soir avec sa famille. Demain, il révise Khutbala quand il upload. Mais à ce temps-là, si Azodji dans son atout Jum'a, il sortit avec sa hadith, avec sa ayat de Coran là. Dans l'introduction, la meilleure parole Allah, wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, celui qui obéit à Allah et son rasoul, li fin fiya une victoire énorme, et kullu ummati yadkhuluna al-janna, tout mon ummat pour rentrer dans la janna, illa man aba, excepté celui qui refusait pour rentrer dans la janna. Man sahaba ja ya rasulullah, faman ya'ba, oh rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a qui peut refuser pour rentrer dans la janna, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Sahih Bukhari, li dit man ata'ani dakhala al-janna, celui qui obéit à moi, li fin rentrer dans la janna, wa man asani, celui qui fin désobéir à moi, li fin refuser pour rentrer dans la janna. Pour terminer sa saison de discussion qui dans la communauté, vous connaissez, nous communauté, à chaque fois qu'il y a un maoussam, un événement, alors la discussion a commencé, elle est finie par Yomoun Nabil, elle est venue dans les Bouvini Ramzan, God Rosa International, National, elle est finie, elle est venue dans Eid National, International, elle est venue dans Muharram National, International, elle est venue dans Rajab, Mi'raj, pas Mi'raj, elle est dans Shaban, Shobrat, pas Shobrat, tout ça là, nous donne une solution pour ça. Parmi les meilleures paroles, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a « Innahu lam yakun nabiyun qabli, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. » Qui Allah ne fait obligatoire ou un nabi. Rasulullah peut dire, Ibn qui avant moi, et moi aussi pareil, qui l'a fait? Qui lit obligatoire ou lui qui enseigne sa communauté, tout dit bien qu'il les connaît pour sa communauté là. « Et wa yunzirhum ala sharri ma ya'lamuhu lahum » Et il avertit eux contre tout ce qui n'est pas bon pour eux. Alors, il finit être averti par Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mon frère et bien sûr. Ça, c'est l'introduction au khutbah là. Qui consiste l'enseignement, il existe dans l'introduction au khutbah. C'est pour ça que mon sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, je t'y peux apprendre sa introduction au khutbah là, pareil, il commence à apprendre l'ayat Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il fait créer insan. Moi, qui m'en frère, je prends par point. Point numéro 1, c'est Allah crée insan. Quand il crée insan, écoute ça bien. Il met à l'intérieur insan, qui ça insan là, yamil, il veut dire qu'il penche vers ibadat zispoil. Il finit mettre ça dans lui.
Musulmans bien ou musulmans. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Quand Allah fait ce qu'on appelle ayatul mithaq, le verset du contrat, le contrat, le pacte qui insan il fait, il prend avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah crée nous dans forme de rouh, l'infini pose nous question, est-ce qu'il nous attrape? Nous dit قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Oh Allah, prend depuis Adam alayhi salam jusqu'à jour qiyama tout insan qui peut exister, qui est musulman ou bien pas musulman, je ne signe sa contrat avec Allah, toi te nous robe. قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Right là. À ce que je tenais, ça m'a dit, là, chacun de ceux l'époque, et non de l'époque Adam alayhi salam, et non pour ne jusqu'à qiyama après pour venir, Rasul sallallahu alayhi salam dit, فِتْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Coran dit dans Surah Rum, verset 30. Allah crée de l'ofitrat. Qui veut dire crée de l'ofitrat? Quand Allah peut avoir une insan dans la dunya, l'infini met à l'intérieur sa insan là, qu'il reconnaît Allah comme son Rab. L'infini met à l'intérieur sa insan là, sa fitrat qui m'a besoin faire ibadat pour celui qui me crée. Moi, il met ça à l'intérieur. Mais qui fait insan là, pas peut faire ibadat pour Allah. Qui fait insan là, il commence à ado jifé. Qui fait insan là, il commence à ado idole. Qui fait insan là, il commence à ado prête avec moi. Qui fait? Qui n'est arrivé ça? Rasoul Sallam répond. Il dit, Mamin Mauloudin, il l'a eu l'idou à l'alfitra. Il n'y a aucun nouveau-né, excepté qu'il est né l'ofitra. Qui fitra? Ça dit ayat Coran, le fait de nous autres là. Il l'a accepté, il répond à sa question qui nous a dit, mais qui fait du monde reste hindou, car l'un crédit comme ça. Rasoul Sam dit, il l'a abawahu, yuhawidani, ou yumadjisani, ou yunasirani. Excepté qu'il soit parent, il fait vivre un chrétien, ou bien pagan, ou bien yado idole, ou bien faire vivre un juif, ou bien faire vivre un majus. Ça veut dire qu'on est né, il est né avec ça. Allez, nous aussi, musulmans, nous sommes nés avec sa recognition, sa appelée dans nos jours, dans nos jargons, de nos jours. Il met un chips à l'intérieur de nous qu'il y connaît Allah son Rab. Et il y connaît, il vient établir, il va des espoirs là. Ensuite, la pollution externe, il fait l'effet de sa fitrat là, quand du monde là, qui est arrivé, Rasoul Sassam dit, moi, vous dis, moi. Rasoul Sam qui dit, Allah dit à des hadiths aussi dans Sahih Muslim, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, mo fin kremo ban serviti hanif. Qui veut dire hanif? Yamilu ila l'ibada lillahi subhanahu wa ta'ala, li pense, c'est comme on dit à l'élan, li pense, Allah finit crée nous comme ça. Il crée nous comme ça. Ensuite, qui est arrivé, fa atatum shayatin, man shayatin in vini, fa jitalatum an dinihim, in sens de din. Ça veut dire, nous avons l'avantage en tant qu'un insan, qui Allah il crée nous et il crée nous avec sa fitrat là. Clair? Nous venons de la dunya. Quand nous venons de la dunya, Allah même décide l'objectif pour nous. Qui te besoin de faire dans la dunya? Qui te les fait dans la dunya? Chacun décide qu'il doit le faire dans la dunya? Là, à ce là, dans là, pas besoin d'être Coran. Hein? C'est en créole même. Et il y a l'objectif qu'Allah mette pour nous quand nous venons de la dunya. Mais si vous rate ça qui arrive. Là, moi, tu n'as pas faire du ma sur le terre rouge, venez faire du ma plein de maillons. Mais si mon almaïbou qui arrive. Qui peut arriver? Est-ce qu'il est difficile pour comprendre? Moi, j'ai l'objectif sur le terre rouge. Moi, j'ai pour rentrer plein de maillons dans Darul Arqam, dans le centre pour faire Jum'a. Et quand on vient là, non, finalement, je ne peux pas rentrer là. Moi, je rentre dans Maïbou. Et quand je rentre dans Maïbou, je suis neutre, tranquille. Moi, si je m'écoute Jum'a, après, moi, la case tranquille. Normal, ça? Est-ce qu'il est normal? Mais il n'est pas normal parce qu'Allah finit de mettre nous l'objectif. Si dans nous, la vie de tous les jours, nous ne pouvons pas arriver à l'objectif là, ça veut dire nous peut rater nous l'objectif. Quand nous peut rater nous l'objectif, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Nous vous piédons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne l'objectif. Qui est l'objectif là? Je tout connais ça à être Coran là. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah pas fin créer nous, excepté pour établir ibadat. Mon ibadat de toutes ses formes, ça n'est l'autre les sous. Ça en tant qu'un individu. Mais nous aussi, nous une responsabilité envers la société. En tant qu'une société, une communauté, dans l'islam, pena. L'individualisme pas existé. L'islam ni social, l'islam ni global, l'islam ni international, l'islam ni crase tout beau. L'islam ni l'invite pour implanter la justice sur la terre pour qu'il humain lui reconnaisse grandeur Allah, pouvoir Allah, rahmat Allah, sévérité et punition Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il met un objectif pas juste pour individu. En tant qu'une société, شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. C'est-à-dire quand nous restons dans une place, nous visons établir le dîn.
Ça, c'est l'objectif qu'Allah a décidé. Pas en tant qu'un individu. Est-ce qu'il y a trop beaucoup de choses là? Est-ce qu'il est clair? Il est facile pour comprendre? Est-ce qu'il est facile? Est-ce que nous venons dans Juma pour nous écouter là? Après, nous avons envie de prendre un message pour nous véhiculer après? Ou ça, nous venons, comment dire, bizarre, nous venons Juma, nous venons Juma. C'est important ça. Moi, dans chaque vendredi, je dis à moi, nous avons pas dérangé, puis qui travaille, puis venir, bizarre, venir pour assiser, écouter. Si vous trouvez sa parole là, sur côté Allah avec son Rasoul, asraf sa parole, ça, vous êtes tapé en miraille ça. C'est moi, si c'est que vous pouvez écouter le Coran avec Sunna, vous obligez, prends-le, absorbe-le, mettez en pratique et véhicule-le quand vous sortez. Sinon, nos sociétés pourraient se parer. Mon frère, essayez d'imaginer combien de jours on vient dans la dunya. Combien de jours on atteint. Si on a 20 ans, il fait 1000 jours. Si on a 20 ans, après l'âge boulour, c'est vrai, on a 34 ans, il fait 1000 jours, pas 50. Dans 50 jours, nous avons coupé la guerre avec Moussaman, soit là, djilbab, djilbab, haram, pas mange, haram. Nous tu un peu comme dire, nous pécose dans plein de maillons, nous descendons la case non-musulmans. Ça veut dire, ça, à la fin du mois-là, nous besoin de finir faire da'wah à l'islam, on descend la case. Nous tu un peu cause, mais nous finissons dans plein de maillons, mon frère dans Maïbou, un peu faible, dans le support, mon frère dans Maïbou. Nous tu un peu cause, nous avons descendu en misère, par l'eau d'Allah dans plein de maillons, n'est plus dans une misère, mérite zakat. Nous tu peux besoin progresser un dîme qui révolutionne sa société-là, pour venir l'exemple, pour qu'il ben les autres du monde adopter. Mais nous, si dans nos djoumas, même nous, papa, absorbe 30 minutes. Seulement une fois qu'il nous affilié avec un djamat, un amir, il est capable d'une 1h30 dans le djouma. Et les causes 1h30, personne ne peut bouger. Qui fait affiliation avec djamat, ou ça, avec l'orateur. Sinon, comment venir m'écouter comme ça, ouais, mais correct. Mais comment se situer pour s'en dire? Alors, mon frère, une de nous, une crée nous. Moi, je finis d'expliquer comment une crée nous. Quand il finit de créer nous, il donne nous l'objectif. C'est d'envoyer un modèle parfait. Un modèle parfait qui personne dans la communauté pas divergé sur lui. Ça, c'est un modèle parfait là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on a dit le Coran là. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Un modèle parfait. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakar Allah kathira. Un modèle parfait. Rasul sallam qui dit faman raghiba an sunnati falaysa minni. C'est lui qui lit. Les détournés de mon sunnat, les pas parmi moi. Pourtant, ce hadith-là, ce mounasaba en créole, quand il arrive ça, c'est quand trois jeunesses, ils ont appris, ils ont inquiré avec ben madame Rasoul, ibadat de Rasoulullah. Comment il fait ibadat dans la case? Maintenant, ils ont inquiré. Quand maintenant, ils ont inquiré, ils ont remarqué, puis ce ibadat, un ibadat bien peu. Maintenant, je devais trouver qui ça ibadat, qui ne tu peux penser. Rasoul, comment sont-ils Isha, les pour monter le moussala jusqu'à Fajar, et les pour garder Rosa tout le long du mois, et les pas pour marier. Ne tu penser comme ça qu'ils peuvent ibadat, et maintenant, il finit incroyable, le ibadat, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je te retourne, je dis, non, Béli, chez moi, Allah ne finit pas de donner, à cause ça, il peut faire tchigit ibadat. Maintenant, fait trois serments. En la dja inni, la atazawaj, en la dja inni, asoum, الدهر إن يوم بقعد روزة طول الوقت إن لا جئني أقوم الليل ولا أنام أو كما قال ما مو بفعل إبادة دارني مو بحب دومي. كيف تشبه فعل طول الوقت تشبه فعل إبادة تشبه فعل ديزوت تشبه فعل حرام إبادة. لذا رسول صلى الله عليه وسلم لجاي سا إنفورماسيون كي بان لا بفعل سكاريتي إبادة لين يفعل أبل زوت. لي كونفيرمي أبان لي فيريفي أبان. Pas Jimmy comme il m'a dit, il y a un camarade de moi, il demande une information, ça veut dire que je prends une grande tête parce qu'il m'a dit, mon camarade, je ne vais pas vérifier, je viens de l'omimbar, je vais causer, après je vais trouver mon mal causé, mon cause menti. Je ne vais pas vérifier l'information parce qu'il y a un groupe qui me donne cette diamante-là, cette information-là. Non! Mon groupe donné, imam donné, Abu Bakr, radiallahu anhu, donné, vous avez vérifié l'information. Quand les autres passés. Abu Bakr, radiallahu anhu, donne, parce qu'il d'ailleurs, ayat courant, vérifie l'information, il vient quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient envoyer un sahaba pour le ramas zakat. Ça veut dire, ça a été qu'on a une descente concernant un sahaba qui nous donne une information qui est bizarre être vérifiée, pas fin d'être vérifiée. Rasoul Sassam, il applique ce principe-là. Il dit, qui n'a pas mon tandis, toi, tu es pour Rosa toute la vie, toi, tu pas pour mourir, toi, tu pour faire ibadah toute la nuit. Rasoul Sassam, il a maintenant dit, oui, il dit, inni, akhshakum lillah wa atqakum moi, vous plipez Allah, et vous n'avez plus beaucoup de taqwa. Atazawaj, vous mourir, ou asum, ou uftir, vous gardez Rosa. Et une femme, je casse Rosa, je ne peux pas garder Rosa. Je suis allé à la maison, je suis fait un peu de temps, je suis dormi. Et là, il dit, je suis allé à la sunnati, il fallait y s'amener. C'est lui, ça qu'ils ont entendu dans le voyage,
فمن رغب عن سنتي سيسا حديث لا سا Allô, Rasoul Sassan Pédia, c'est lui qui est détourné de mon sunnat, n'est pas parmi moi. Et ça, il dit ça dans l'événement que les sahaba peuvent faire ibadet qui est déjà fini institué. Parce que je ne peux pas inventer un nouveau ibadet là. Je peux faire un ibadet qui déjà existé, mais je ne peux pas faire de tariqa Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul Sassan Pédia, il dit que c'est un sunnati, il dit que c'est un sunnati. Il donne un modèle parfait. Création. L'objectif, modèle. Ensuite, Allah met dans disposition insan tout ce qui crée de la terre. Vous croyez que Allah met dans une disposition? Essayez d'imaginer des lots qu'il a pris, tomber, nous payer ça. Nous payer ça. Courant, nous payer, sorti de des lots, ça. Allah subhanahu wa ta'ala, si nous tiennons pour payer ce qu'Allah payait dans sa ayat Quran, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi l'ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met dans une disposition, Allah il met dans une disposition tout ce qui est dans les cieux de wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina, et il fait une verse en faveur aux autres qui est visible et qui est invisible. C'est un ayat Coran dans surah Luqman. Dans surah Ibrahim, il dit وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكُ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ bateau, la rivière وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ le soleil, la lune, دائمين وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ la nuit et le jour وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ et les fins donnent eux tout ce qu'ils ont demandé وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Vous essayez d'énumérer ma faveur. Allah, je ne suis pas capable. Ça veut dire Allah il crée les cieux et la terre. Quand il finit, créer crée la rivière, la mer, le soleil, la lune et tout ce qui est dans les cieux et dans la terre pour mettre ça dans disposition insane. Qui peut faire avec ça? Pour y arriver sur l'objectif. Pour y arriver sur l'objectif. Pour ne pas venir dire, mais comment tu peux faire? Comment tu peux participer? Non. Il met tout ça là dans une disposition. C'est moi insane. L'état, il y en a pour venir plein de maillons. Il a arrêté pour lui. Il y a la stienne du pain, halal. Pas haram, c'était du pain. L'oublier, il y en a une pleine maillon, il fait retour, il rentre à rose, il y a l'air. Akhoulou qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum wa visari kulli dhammi wa astaghfiru, innahu huwa al-ghafur rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ça veut dire, même ça fait encore, vous sortez la case, vous n'avez pas vu un objectif plein de maillon, moi arrête de pour lui, moi c'était du pain, du halal, moi fais salat fajr, il y a une pharaz, moi tout le monde peut fumer. Moi je dis pas fumer, moi n'a pas une pleine maillon, moi arrive le rond-point beau bassin, moi fais retourner, moi retourne la case. Et à moi la case, et à moi analyser, moi pas de fait non, il n'est pas bon. Au contraire, moi fais mon pharaz, au contraire, moi donne les biens, moi empêche les mal, c'est moi pas d'arriver à mon objectif parce que moi je n'ai pas le plein maillon. Si insan, il n'y a pas comprendre raison qu'il y a l'un de mettre l'eau la terre, il est capable de vivre la terre. Il n'est pas tout, il peut faire non, il n'est pas bon. C'est moi ici, il rate sur l'objectif. Allah dit Waman yabtari ghayra l'islam dinan, falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il ne peut pas vivre un pays dedans. Et il y a une question qui nous donne un exemple facile pour comprendre. Et nous tous pouvons comprendre. Écoute bien, Gavi. Astir Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un modèle, il donne un chemin. Un chemin appelé Sharia qui a mis nous vers l'objectif. Un chemin qui a mis nous vers l'objectif. Ce chemin-là, c'est la facilité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Fa'inna dina yusr » Dine, c'est la facilité. Dans dine, il y a la facilité. Pas à cause de mon pays de difficulté, je ne pas faire dine, je ne alim, demain une fatwa, parce que mon pays de facilité. Non. Dans pratique, dine, il y a la facilité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Fa'inna dina yusrun » dans Sahih Bukhari. Coran dit « Yuridullah bikum al-yusra wa la yuridukum al-usr » Vous trouvez sharia là, comment il dit là? La facilité, un. Numéro 2. Un sharia qui est parfait. Parfait. Ayat Quran, je te connais. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa chemin qui a l'un met pour nous, nous enlever à nous l'objectif là, un chemin parfait. Un chemin qui est facile, numéro 1. Deuxième, un chemin qui est parfait. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa raduitu lakum islam adina. Ça, c'est le deuxième principe de sa chemin là. Troisième principe de sa chemin là qui était Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah qui connaît, nous ne nous pas connaît. À moi, nous dit Allah, non, nous connaissons, toi, tu ne pas connais. Quand tu connais, nous pouvons dans Maurice. Et là, dans, parmi les sectes, refuse qui Allah connaît. Faudrait qu'on arrive, action qui Allah connaît, Astia qui Allah connaît, non. Ça, c'est les sectes égarées qui finissent d'exister dans 300 Hijri, 200 Hijri.
je refuse de reconnaître connaissance Allah subhanahu wa ta'ala qui est infini avant de créer l'insan. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il crée un sharia, un chemin qui amène nous vers nos objectifs, qui lui connaît, qui est bon pour nous. Wa asa an takrahu shay'an, wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an, wa huwa sharrun lakum, wa Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mais Allah connaît, nous ne pas connaît. Basé là, il nous donne la loi. Allah sur la loi et sunna sur la loi, c'est la loi qui finit guette insan. Pour moi terminer, qui nous guette dans insan, il y a lisier, donnez la loi lisier. Dans insan, il y a besoin de manger, donnez la loi manger. Insan, il y a partie privée, donnez la loi sexuelle. Insan, il y a besoin de vivre dans la société, donnez la loi société. Insan, il y a la justice, donnez un système de justice. Insan, les beaux bisins mariés, donnez la loi mariage. Capable d'un divorce, donnez la loi divorce. Ça veut dire que Sharia, l'invine pour get insan sur un requirement qui est bisin, un requirement qui insan a bisin pour lui vivre et pour lui réaliser sa raison, sur l'existence, c'est-à-dire sur l'objectif, à l'ennemi de principe. C'est ce qu'on appelle ça Sharia. Clair ça? Est-ce qu'il y a un créole qui est clair? À l'un crée moi? Moi, j'ai une partie de l'écho dans moi qui est visible et qui est invisible pour mon sentiment, pour mon équerre, pour mon esprit. L'indonne la loi qui pour faire moi, enlever mon objectif comme moi sur sa chemin. Là. Et la loi là, est la loi facile, la loi la perfection, la loi là basée sur la connaissance Allah qui personne pas qu'à challenge. Moi, je vous donne l'exemple. Quand nous, tu parles connu, tu prends un pédophile avec inceste. Quand nous, tu parles connu. C'est moi, quand nous, dans nos sunnah, 1440 dernières années, c'est là, puis je disais, donne l'eau aux enfants pour faire salat là, 7 ans. Et battre-les quand ils ont 10 ans. Et c'est pas ce Lili. C'est pas Lili, ces enfants-là. Allah pas attendre dans 2000 qu'on commence un cas de inceste. Les là qui pourra faire Djibril descend à terre, Aldan Maurice peut gagner un cas inceste, ça devient nouveau la loi. Non! Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu, li connaît, wa nahnu la, na'lam, nous pas connaît, l'infini a institué un principe pour ça, insan-là, en tant qu'un individu tout seul, y'alvé à son objectif, ou bien sa société, y'alvé à l'objectif qui bise. Et ça, ce système-là, c'est un système qu'on mettait pour qu'insan réussisse dans Dunya et dans Akhirat. Et ce système-là, c'est un système qu'on un fardeau qui nous capable de sortir. Pas une donnée de fardeau qui nous capable de sortir. Je tout connais le Coran là. Ça veut dire, pas manger haram, nous tout capable de pas manger haram. Faire 5 fois salat, nous tout capable de faire 5 fois salat. Un sœur, vis à mettre ce linge, d'après Sharia, faudrait être capable. Pas pour une loi qui dit, nous pas capable de mettre en pratique, et Allah fait les vins farazo. Nous pas exister ça. Qui fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça, c'est quatrième principe de sa sharia, sa chemin qui a mis nous vers l'objectif. Et dernier principe là-dedans qui a été pénal l'embarras de sa chemin. Pas besoin d'être honté de sa chemin. Wa ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Un mu'min, une fois qu'il comprend, Allah crée-moi, Allah donne-moi une qualité, caractéristique, Allah donne-moi la loi qui contrôle sa qualité qui m'a dans moi en tant qu'insan. Et qui fait des pays contrôle ça, pas pour faire zulum, l'oppression, dictature, non, pour qu'il soit capable de marcher dans ce chemin-là, moi, je vais à l'objectif qu'Allah voulait me réaliser dans Dunia. Et quand nous rentrons dans ce chemin-là et nous mettons en pratique ça, l'islam-là, nous boutons automatiquement, puis arrivons vers l'objectif. Et quand nous arrivons vers l'objectif, ça ne veut pas dire nous ne pas faire péché, attention. Ça ne veut pas dire nous ne pas rater. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pêcher le chemin, je vais arrêter, je vais prendre une cigarette, je vais fumer. Non. Oh, je vais remarquer, je vais retourner, c'est moi qui vais avoir plein de maillons. Divan, il est arrivé, Zina aussi, je vais commettre. Non, la porte pardon, compte, il reste ouvert, parce que je vais avoir plein de maillons, je vais retourner, je vais faire Torba, je vais faire Inaba, je vais retourner le chemin principal, c'est moi qui vais connaître, je vais avoir plein de maillons. Par contre, c'est arrivé, je rate mon objectif, je ne vais pas faire pêcher, c'est moi qui vais pas vers mon objectif, ça, il y a une rate ça. Sur raison d'existence de Dunia. Et ça même rate raison d'existence à l'indice de Surah 3, verset 85. Wa man yabtari ghayr al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Vous espérez qu'il s'éclaire. Allahumma ghfir. Écoute ça, doua qui nous lie à Kajimoun Mo. Un doua qui nous lie à Kajimoun Mo. Je tout qu'on doua là, Allahumma ghfir li hayina. Jimoun vivant. Wa mayitina, man mo. Wa shahidina, vivant. Wa ghaibina, vivant. Wa zakarina, vivant. Wa unthana, vivant. Wa sagirina, vivant. Wa kabirina, vivant. Nous allons faire namaz, janaza, point du monde qui est mort. Tout ça, doua qui nous n'y a là, c'est pour moi vivant. Excepté mayitina. Ensuite, dans sa doua là, Allah fait nous, il fait nous révise, raison nous l'existence. Quand il dit Allahumma, man ahyaytahu minna,
فاحيه على الايمان والله سيدي كي تو غاد فيفان دا سا دنيا لا غاد نو افيك ايمان ومن توفيته منا فتوفاه على الاسلام سيدي كي تو بي دون لامور تدي لامور لو الاسلام باسكو سي سا نو ريزون ديت سي سا نو لوبجيكتيف دان دنيا الو رسول صلى الله عليه وسلم دا سو دعاء كي لي نونسي نو دون نماز جنازا كان نو فيه سا لي فا نو ريفيف سا رياليتي دو نو ليكزيستانس دان دنيا اي نو فيه دعاء افيك الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا قوي يا عزيز وصل اللهم على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.